Ten eerste al, misschien gaan we zo wel onze ranking verbeteren. En dat kan ons alleen maar helpen voor onze toekomst, wanneer dat we dus de loting tegemoet gaan voor het EK. Maar ik vond het ook heel belangrijk dat we hier ook als individu, maar ook als ploeg, dat we ook hier een goede prestatie neerplaatsen. En dat we ook zo kunnen tonen dat we dus ook progressie maken, individueel en als ploeg. Dat we er eigenlijk, want dat zal zo moeten zijn ook op het EK, dat we eigenlijk altijd moeten presteren. Hè. Vous l'avez dit, le match n'a pas été parfait. Pour vous, coach, c'est bien, parce qu'il y a encore beaucoup de matière à travailler. Ja, dat is zeker. Als coach ja, zie je altijd werkpunten, en die waren er zeker ook weer vandaag. Maar dat is goed, dat is goed. Dus dat betekent dat wij nog wel heel veel progressiemarge hebben. Dus en dat is leuk ook om te werken. En dat is ook een mooie uitdaging als coach. De ploeg alleen maar individueel en collectief beter maken. En dat is een uitstekend doel richting EK. On l'a déjà vu contre la Belarus, le banc avait beaucoup apporté. Vous avez ici joué aussi avec tout le monde et c'est quand même encore une victoire de plus de 15 points, 16 points. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ook wel een beetje de sterkte is en misschien nog kan beter worden in de toekomst. Want ik denk dat we, ja, iedereen kijkt altijd maar naar Emma Meeseman en naar Ann Wouters. Maar ja, wanneer dat die defense van de andere ploeg zich gaat aanpassen, ja, dan is het aan anderen om die rol over te nemen. Dus om scorend vermogen te gaan tonen of andere oplossingen te gaan zo. En ik denk dat dat wel een bevestiging ook weer is vandaag. Dus dat we ook wel naast die twee toppers die we in ons team hebben, dat we dus ook nog wel speelsters hebben die van de bank kunnen komen en iets kunnen bijbrengen. Voilà, ça y est, c'est effectif, c'est à l'Euro, 10 ans après. C'est fantastique. Ben, je crois que c'est vraiment fantastique pour le basket féminin et pour le basket belge même hein, en tout. Donc je crois qu'on l'a mérité, on a été à chercher. On a commencé à travailler il y a un an et demi et je pense que plus on avance, mieux on joue et plus on est sûr de nous. Et ça c'est quand même un point positif. Terminer premier d'un groupe avec la Bélarusse, la Pologne, qui sont quand même deux valeurs sûres européennes, ça veut dire aussi quelque chose? Oui, parce que quand on a vu notre tirage au sort, on savait qu'on n'était pas. C'était un tirage difficile. Hein. Ils sortaient du championnat d'Europe, 4e et 11e. Je pense que c'était le groupe le plus relevé. Et on a grandi dans cette année. Et bien sûr, l'apport de Anne a apporté énormément. Elle a encore vu aujourd'hui. C'est magnifique ce match d'aujourd'hui. Mais c'est tout le groupe qui a grandi et on sent une certaine maturité parce que. Aujourd'hui, je pense que le match était peut-être plus facile mentalement que samedi dernier. Et on a prouvé qu'on a vraiment très très bien joué à un moment donné. On a bien contrôlé le match. On a pu faire des rotations. Tout le monde a pu participer à la fête. Et ça, c'est quand même positif, hein, puisque notre banc est quand même bon.